Tous un truc dans ça. Alors, il y a un ordinateur. Bon, après, certains, quand ils font des lives, après, franchement, leur rendu n'est peut-être pas forcément tel time. Je sais pas si on peut appeler ça. Ah oui, des lives. Oui, oui, peut-être. Pour aller chercher la perfection de. Parce qu'ils ont fait un ordinateur, après. Tu vois bien qu'il y a. Ouais, c'est autre chose. D'ailleurs, je pense qu'il ne faut même pas essayer de reproduire à ce moment-là ce papier pour l'adapter. Ou je ne sais pas. Ça ne fera jamais. Ouais, maintenant, j'ai vu des lives, j'ai vu avant de venir au concert, Chani, c'est ni live, ni en fait des lives. Oui, parce qu'il y a un DJ derrière. DJ, il y a des écrans, et le chanteur met en la connexion sur l'écran, en fait, un truc, tu vois ça. Ouais, c'est celui que j'ai vu. Donc effectivement, quand tu as des artistes de dancehall, la plupart, c'est pas vraiment, enfin, je veux dire, semi-live, parce que la plupart, il y a toujours un DJ derrière. Donc je vois que de plus en plus, ils se font accompagner par des groupes en live, quoi. Ouais. Qui adaptent un peu le truc, qui font, voilà, qui essaient de justifier pourquoi ils sont là, pourquoi il y a du temps, pourquoi il y a une basse, alors que c'est tout. Ouais. Quand ça derrière les platines, ça va tout seul. Ça. Et bien oui, nous sommes de retour, il est 12h42 sur Andy FM Martinique. Et nous sommes toujours dans l'église Andy FM, toujours accompagnés de Harold, que j'espère que vous appréciez. Vous appréciez les artistes, que vous les découvrez d'ailleurs, comme moi-même, hein, du coup. Et vous appréciez justement ces deux chansons qu'il a interprétées tout à l'heure. Donc voilà. Alors dis-moi, est-ce que tu as pu accompagner d'autres artistes sur scène lors de leurs prestations? Alors j'ai eu l'occasion de. J'ai été sollicité il y a quelques années pour faire la guitare sur un album qui est sorti depuis, l'album de l'artiste. J'ai eu l'occasion effectivement d'accompagner des artistes, pas vraiment connus, mais des artistes qui comme moi ont devenir. Enfin on est déjà artiste, mais bon, on comprend bien des artistes accomplis dans le métier. Alors, c'est toujours un plaisir, c'est toujours un plaisir et je pense plutôt à ceux qui pourraient m'accompagner lors de mes prochains déplacements. Voilà, ça serait bien, tiens. Tu veux savoir deux ou trois artistes qui t'accompagnent dans tes tournées. Je mentionnais tout à l'heure des artistes